J'ai toujours dit que j'allais faire ce métier. Après, j'ai fait mon stage de 3e et ça a confirmé ma filière. Enfin, pour moi, il y a tout qui m'attire. C'est super beau dans l'environnement où on est, dans les usines, comment c'est produit, le matériel utilisé, enfin, tout. Le métier d'hydroélectricité, en fait, ne s'apprend pas à l'école. On ne passe pas un diplôme pour être technicien dans l'hydroélectricité. Donc, en fait, c'est un savoir-faire qui doit être retransmis sur site, sur place. On a constamment des stagiaires, des alternants. Je pense que c'est un métier qui attire. Les jeunes sont curieux, ils ont envie de venir voir. Ça me plaît énormément d'accompagner ces jeunes, de retransmettre ce savoir. L'alternance aujourd'hui à l'HM, ça représente 10% de nos salariés, donc c'est quand même énorme. On a aussi à peu près 10 à 30% d'alternants qui rentrent dans nos effectifs ensuite en termes de transformation en CDI, donc c'est un enjeu important.